In the early hours of Sunday morning, on a once insignificant wall, three secret agents appeared, listening into the phone box. A nod, of course, to recent allegations against nearby GCHQ. And with rumours that this is Banksy's return to the UK, the mural's drawn huge crowds. So this Banksy mural appeared on a boarded up shop opposite the French Embassy on Saturday night, and it shows Cosette from Les Miserables, who's really the poster girl for Les Miserables, with a cloud of gas from a CS canister. Donc j'apprécie tout particulièrement le milieu urbain, ouais. Comme tu le sais, les artistes de rue, ouais. Et respect à Banksy, même s'il n'est pas photographe, mais il m'a beaucoup influencé. Alors un cri du cœur, hein, tu m'as enthousiasmé à distance. Il y a plein de gens qui ont plus à dire et à montrer que moi à New York. Moi j'ai vraiment envie d'essayer de faire un truc à Paris, quoi. De façon humble et amoureuse, tu as déclaré ta flamme à Paris. Mmh, ouais. Et tu as dit, bah moi, New York, je peux faire sans, quoi. Ouais. Et moi, je m'en suis inspiré pour te dire, bah moi, je suis lyonnais. Ouais. Je ne suis pas parisien. Et bah, je vais faire mon petit truc à... Mais c'est ce qu'il faut faire. À Lyon. J'ai envie d'y aller. Enlève le masque, ça va le faire. J'ai commencé à 18 ans. Ouais. Konica, Canon A1. Beaucoup de photos de voyage, ouais. Et la pratique en street, c'est au moins 20 ans. 20 ans, ouais. Ouais. Alors très porté sur le graphisme, et toujours encore. Là, on va emprunter ce passage. Ah ouais, t'es au flash, toi. Ouais. Alors j'aurais pu travailler sans flash. Mais là, en ce moment, avec le collectif, on a un goût immodéré. Quoi. Pour le flash, ouais. Après, il faut le faire et faut bien le faire. Et là, c'est très difficile. Alors, la flash, il y a 4 saisons dans l'année. Je suis tout particulièrement sensible à la lumière. Mais quand il n'y a pas de lumière, eh bien, j'aurais pu travailler en vitesse lente, couleur saturée et avec une touche un peu impressionniste. Mais l'idée du flash, c'est presque un défi constant entre photographe et membre du collectif. Tu vois là, les deux têtes. Mais là, idéalement, il faudra rencontrer une présence et du graphisme. Et ça, j'y suis particulièrement sensible. Toi, tu regardes vraiment les murs qui t'entourent. Ouais, et j'ai besoin de tracer des lignes. À 15h à Bellecour. Il y a des manifs là. Ouais, il y a des manifs. Moi, si ça vous dit. Ouais, pourquoi pas. Hein. Bonjour monsieur. Ah, je prends votre pantalon. Que vous faut votre pantalon. Je vais prendre votre casquette, monsieur. Juste la casquette. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. J'allais te dire, moi, ce que j'aime en montrant de plus en plus de photographes, que ce soit au flash, mais qui vont au contact comme ça, c'est qu'on voit que déjà les gens ne sont pas tant dérangés que ça. Et qu'en fait, ça crée plus des moments sympas avec la majorité des gens, quoi. Alors, s'il y a un oui, toi, de ma part, bon, c'est non seulement parce que c'est le plaisir de ta présence, mais c'est aussi pour revendiquer une liberté. Et là, si on avait un peu plus de temps, tu vois, on aurait pu aller se faire arrêter à Perrache, puisqu'on n'a plus le droit maintenant. Dans les gares. Dans les gares. Ni dans le métro, ouais. Tu vois le truc, quoi. Si j'ai choisi Kim Kim Soo Icon, c'est justement pour exprimer non pas une désinvolture, mais ne pas entrer dans cette idée, tu vois, l'objectif de absolument avoir un résultat. Alors j'ai travaillé en noir et blanc avec un site japonais auquel j'étais tout particulièrement sensible. Et il y avait un travail avec un gars qui s'appelle Tatsuo Suzuki, ouais. qui m'a beaucoup plu, quoi. Et ce site japonais, je me suis
contraint à photographier en noir et blanc juste pour faire partie de cette petite fête. Ouais. Moi, je suis autodidacte. Hein. Ouais. Je ne sors pas d'une école. J'ai commencé par la photo de voyage, ensuite bon, beaucoup de graphisme, comme je te l'ai dit. Et à l'instar des photographes de rue, de mode, reporters qui faisaient partie, par exemple, de Magnum, où certains ont décidé à une époque de choisir la couleur. Et ils ont été honnis par les grands artistes en noir et blanc qui exprimaient de façon humaniste le meilleur de l'art. Et moi, l'art, c'est avant tout une pratique. Avant de tenir le propos, faut vraiment, vraiment, vraiment le pratiquer. Et la couleur, c'est en lien avec la réalité. Et je suis très sensible à la couleur. Tu vois, par exemple, là, à 20 mètres, personnage. Donc voilà, je vais juste un peu plus m'approcher. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et le fameux collectif, on s'est inspiré. Donc merci à Street Photo France, du Cham et du Mythe. Donc notre rituel, on se donne rendez-vous, manifestation ou dans un quartier, on fait de la prod, de la pratique, enthousiasme, bon esprit. Donc on partage les savoirs, les expériences, les ressentis. Ça donne un plein d'énergie qui est vraiment appréciable, tu vois, et qui est tellement différent de la pratique solitaire, du mec qui, du petit matin jusqu'à tard la nuit, va faire son parcours. Et à l'occasion, on va partager et exposer ce travail avec un compte commun, heureusement ou malheureusement sur Insta. Mais on va... Je vois que ça t'obsède quand même. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai eu la chance de te rencontrer dans le réel. Et en plus, ça fait partie de ta démarche. C'est là où ça devient intéressant. C'est que tu vas apporter la 3D quoi, à ce fameux écran et à ces fameux émoticônes et à ce flux incessant. Mais c'est une torture, vous avez droit ou pas? Elle doit se stériliser. Il ne faut pas qu'elle se gratte, enfin, qu'elle se mange. Vous savez pourquoi j'aime pas les chiens? Parce que pour moi, c'est comme une éponge à la tristesse humaine. Ouais. Mais à condition que l'humain soit triste. Si vous êtes joyeux, ça peut être qu'un plus, quoi. Tu me parles de réalité. Ouais. Et c'est vrai que toi, d'ailleurs, on s'est rencontrés sur une manif. Sur une manif sauvage, c'était drôle. C'était tard, c'était les manifs interdites. Tu fais du documentaire, toi, quand tu photographies? Il y a une portée documentaire dans ton travail? Parce qu'à l'inverse de ça, tu as beaucoup d'images très graphiques. Ça va permettre de nous situer, nous, les photographes de rue. C'est pas du loisir, c'est pas du reportage, et c'est très, très intime, très personnel. Mmh. Et c'est une pratique, une entreprise sur le long terme pour être en capacité toi, de s'affirmer et d'avoir une signature. En ce moment, ça fait un mois, il y a une catastrophe énorme avec des victimes innocentes des deux camps. J'ai énormément été présent pendant ces manifestations, soutien au peuple de Palestine. Mm-hmm. Malheureusement, je n'ai pas pu être présent parce qu'il n'y a pas eu de manifestation d'organisation pour les victimes du Hamas et j'aurais bien voulu. Moi, je suis en lien, j'ai une relation sur le long terme avec des photographes de rue israéliens. Et ça a été un choix de ma part de leur envoyer un message pour leur faire part de ma décision de ne pas poster toute ma prod. Sur les manifs pour la Palestine. Sur les manifs, ouais. Donc j'ai envoyé 4 messages à 4 photographes différents. Bonjour madame.
et je vais attendre. Et pourquoi ? Parce que je ne veux pas avoir ce sentiment d'urgence. Pour ma part, en tant que photographe de rue, je ne suis pas reporter. Je ne dépends pas d'une urgence documentaire. La propagande israélienne tourne en boucle sur nos écrans. Les soi-disant commentateurs médiatiques se font les relais serviles des assassins d'une armée d'occupation. Ce sont, à travers le monde, j'aurais tellement souhaité de la pluie, j'adore ça. Cette rue entière, commerce fermé à New York. En Corée, ses chaussures exposées pour rappeler les morts. Et puis, nos amis juifs à travers le monde qui crient « Pas en notre nom !» Ces voix. Et la France n'a qu'une autre chose à faire. C'est sanctionner un État terroriste. Tu vas utiliser un mouvement qui fait quand même réponse à un massacre comme aujourd'hui. On parle de trucs terribles. Et toi, t'es pas dans cette démarche documentaire. Du coup, ça veut dire que t'es dans autre chose. T'es dans de l'art. Qu'est-ce que tu penses de faire de l'art dans ce genre de moment ? Alors de l'urgence pour certains de vivre. Je peux y participer en proposant mes photos à des personnes qui ont la possibilité de mieux l'exploiter. Je vais tout simplement balancer tous mes shots à des membres d'associations, à des personnes que j'aurais pris en photo, qui sont intimement affectées, plus que moi, par cette situation. Mais moi, en tant que photographe... En tant qu'artiste, j'ai envie de te dire. Et qui n'a pas fait ça ? Tu te lasses pas de le faire ce shot encore et encore. Et surtout, tu vois, enfin tu le sais, hein, j'appuie. Ouais. Presque pour me mettre en condition. Pour tout à l'heure. Ouais. Tu t'échauffes. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. T'es un artiste, t'es un sportif, t'es un artisan, et tout quoi. Ouais, totale. L'idée de l'artisan, c'est t'as les mains dans la pâte. Ouais. Mais tu crées. Et tu sais pas ce que tu vas obtenir. Ouais, moi, je me suis posé la question récemment. Du coup, j'ai fait des micro-recherches. Et l'artisanat, t'as cette certitude sur ce qui va sortir. Ouais, exactement. Et nous, on n'est pas ça. Tu sais pas ce qui va sortir. Parce que on n'est pas dans l'abstraction d'une vision artistique. Voilà, donc on n'est pas que des artisans. La pratique est artisanale, exactement. Mais le résultat est artistique. Donc il y a la pratique et la vision du photographe. Nous, là, on est dans la pratique. Et t'as une vision pourtant, et, là. Tu et sais, après, tu sais ce que tu cherches, là. Je suis tellement dans ce moment-là que là, c'est plus de la... Je pense pas vision, je pense pas art, tu vois, mais être vraiment dedans. Tu vis là, en vrai. Je vis. C'est pour cette raison que j'aime bien regarder dans le viseur, tu vois. Je veux pas m'attacher à un style. Je pense que le style, c'est la vision du photographe. Quand je te parlais de désinvolture, j'ai pas un objectif en soi. C'est vraiment la pratique. Et tant qu'elle se renouvelle, tant que de temps en temps, il y a un bon shot, un très bon shot, ça me contente. Commun, c'est dans la démarche et dans l'approche, c'est de se montrer inoffensif à la personne, tu vois. Il y en a qui arrivent, ils vont au flash et comme tu disais, ton pote, quoi, ça tabasse, tu sens qu'il y a une agression en fait. Ouais. Et toi, quand on te regarde, déjà, tu t'habilles en conséquence et moi, c'est un truc que je fais aussi, s'habiller quand tu vas avoir une pratique plus frontale, montrer tout de suite qu'il n'y a pas de... On assume l'acte photographique. On assume l'acte et on montre la démarche et qu'elle est saine en fait.
Tu montres que tu n'es pas là en train de voler quelque chose, camouflé. Non, tu es en couleur, tu as un bob, tu souris. Trop bien, Siti. Et c'est pour cette raison, tu vois, quand on évoquait l'humanisme, j'ai rencontré tellement de photographes avec une belle et jolie page bien présentée, avec une belle plume évoquant l'humanisme, et je les ai vus sur le terrain. Ça m'a pas. Ça m'a pas parlé du tout, quoi. Oh là 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 là. Alors tu vois, là c'est trop beau, il y a un sourire. Vous êtes orange, c'est automnal. Il y a des pigeons. Et unicité, et on a beaucoup à faire. Mais je veux bien prendre un. Oui, allez, un petit fly. Ah, attendez, parce que là, je n'ai pas. Ah, c'est automnal, c'est très beau. Un plaisir. Bonne journée. Énergie et le climat. Tu fais des photos pour toi avant tout, toi. Ouais. Parce que ça, tu vois, tu le sais que c'est pas. Que personne va le voir. Ou très peu vont le voir. Par exemple, Instagram, je vais lancer un message, un cri du cœur. Je ne vais pas inviter les curieux à plonger dans Instagram, mais plutôt Flickr. Le cœur de mon travail, avec une sélection pertinente, c'est Flickr. Instagram, je viens de supprimer 600 shots. Là, j'ai vu, ouais. Au niveau du ressenti, de l'expérience physique avec ce réseau social, moi, je ne vois pas les photos. Et comment on peut liker? Donc, tu vois, quand je te parle de Barnum, donc j'essaie d'un peu de contrarier ou de manifester une forme de désinvolture, quoi. Tout en délicatesse, mais... Est-ce que c'est vraiment de la désinvolture quand tu passes autant de temps à y réfléchir? Alors là, c'est intéressant parce que tu as un lion... Bourgeois. Ouais, bourgeois. Très bourgeois. C'est là où King Stoical va intervenir. Et c'est là où on parle de vision photographique et comment on veut s'intercaler entre l'effet de mode, les stars d'Instagram. Mais tu réfléchis beaucoup du coup à tes photos, la portée. Moi, je réfléchis. Le cerveau est un muscle, hein, tu sais. Je peux même vous dire au revoir et bonne journée. Ouais, c'est mieux de dire bonjour et je prends les photos. Il vous a dit bonjour. Je pense que ça t'a beaucoup servi et ça te sert encore. Et moi, je pense, ouais. Mais au plaisir. Ça veut dire peace and love. Tu sais, là, ça donne une petite idée de l'interaction. Et ce qui est vraiment intéressant dans la pratique, c'est qu'on peut faire de belles rencontres. Mais pas là. En soi, c'est une belle rencontre parce que tu amènes la personne à sortir, tu vois. Là, c'est l'humain qui t'a parlé. Ouais. Tu vois, c'est son intime. C'est vrai que je me demandais ça. La seule personne qui m'a jamais demandé d'effacer une photo, c'était un flic, moi. Quand je peux prendre mon pied en regardant le travail d'un autre photographe, je vais être devant l'écran de mon PC et la photo exposée, partagée, elle va couvrir tout l'écran. Ouais. Sur Instagram, c'est un timbre-poste. Ouais. Donc, c'est avec les avantages et les inconvénients de l'un et l'autre. Et sur Flickr, qu'on est vraiment entre photographes. Fresh Banksy mural gracing the wall of this North London block of flats. The green paint filling out the branches of the cut tree in front of it, restoring, residents say, some of the tree's former glory. Banksy, alors c'est un clin d'œil Banksy, hein. J'ai une grande admiration pour cet artiste. Et cet artiste, il a une identité, peut-être qu'il est père de famille,
Peut-être qu'il est caractériel, peut-être qu'il est malfaisant, peut-être que c'est un ange, peut-être que c'est un religieux. Et il y a l'artiste avec son œuvre et son travail. Et il m'importe, en tant qu'artisan qui exprime à travers le médium un travail, de différencier mon identité, celui que je suis avec mes enfants, celui que je suis avec dans le rapport au travail. Comme photographe, on m'appelle Kim Kim Stoïkol, et pas mon nom, pas mon prénom. Bah, cette distance me permet, si tu veux, de ne pas contrarier soit un penchant, soit une inclinaison intellectuelle ou politique. Hommage à toi, Kim, dans une photo. Bah, il faudra de la couleur, un contraste appuyé et une inspiration d'un grand artiste. Et un titre. Ouais. C'est, je crois que sur Flickr, toutes mes photos, il y a un titre. Mais alors le titre, il y a une prétention. Enfin, apprécié ou pas, je m'en fous, quoi, si tu veux. Mais moi, il m'importe de titrer mes photos. Moi, j'ai tu titres ou pas? Je titre ou... Tu titres ou pas. Je mets une petite phrase, quoi. Comment... veut dire quelque chose par rapport... Il y en a une qui est... Ça se passe à Taïwan, dans un bus. Et quelquefois, dans des moments photographiques, tu as tous les éléments qui sont réunis pour une photo, pour une composition que tu as déjà eue en tête. Mais il ne suffit pas que tous les éléments soient réunis. Il faut une présence, quoi, plutôt être en forme, une bonne réalisation technique et beaucoup de chance. Je suis dans un bus. Toi, t'es dans le bus. Je suis dans le bus. En face de moi, j'ai une personne avec une expression équanime, tu vois, vraiment stable, impassible, quoi. Un visage de guerrier. Et pour avoir essayé de travailler le reflet et la juxtaposition, ça fait partie du code des photographes de rue pour avoir un gros impact photographique, je vois passer des voitures. Et mon idée, c'est de faire une juxtaposition avec la voiture. Dans mon cadre, il y a le visage de la personne qui est en face de moi et le reflet qui peut se projeter à l'extérieur. Je shot 5 fois. Et j'arrive à avoir le visage, le reflet du visage de la personne qui est en face de moi dans la voiture. Et ce shot, en fin de journée, je suis sur la plage, je regarde, j'essaie de faire un editing, et par étourderie, j'efface la photo. Je la supprime. Parce que toi, tu fais partie de ces gens, de ces rares personnes qui regardent sur l'écran derrière et qui suppriment... Ouais. Le jour, quoi. Je peux. Ce qui m'importe, c'est qu'à partir du moment où j'ai réussi à faire un très bon shot, c'est comme un acquis. Je sais que dans le temps, il y aura de nouveau un bon shot, un très bon shot. J'essaie de trouver un génie de l'informatique pour qu'il me la récupère. Je savais que c'était possible. Je fais 4-5 magasins de photos, des labos de photos, à la française, quoi. C'est parisien, quoi. C'est un nom, c'est qu'est-ce que vous avez fait. Ça t'engueule. Ouais, presque ça. Jusqu'à une rencontre, c'est Philippe. Je rentre dans son labo, il est 16h. Je lui fais part de mon problème. Il me dit, assis-toi, on va regarder. Je ressors à 22h. Et le gars, Monsieur Philippe, il récupère mon shot. Et ce gars-là, qui a été... assistant ni plus ni moins de Monsieur Depardon, quand il regarde mes shots, il dit pas il est beau ton shot. Je préfère quand il me dit il est bon ton shot. Tu vois la différence? Ça c'est un de mes shots que je où il y a de l'affect pour le coup, tu vois. Non seulement le résultat mais toute l'histoire pendant et après. J'aime beaucoup Glasgow, pays anglo-saxon, gros contraste de couleurs, un temps gris, beaucoup de pluie. Et il y a dans les codes en street photographie,
On est tous à la recherche, tu vois, la super juxta, le contraste de couleurs, le super light and shadows, l'instant décisif. Et là, je tombe sur un gars. Moi, je suis derrière lui. Il est dans cette position un peu bluesy, quoi. Et il baisse la tête. Et le grand classique, c'est de prendre le personnage sans la tête. C'est un grand classique. Et derrière lui, il y a un chemin composé de lattes en bois qui sont en couleur. Ma sensibilité voit ça comme un arc-en-ciel. C'est vraiment parfait pour moi parce qu'il y a le graphisme et il y a le moment vécu par un des personnages qui est isolé d'ailleurs, qui est tout seul. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne photo, mais en tous les cas, à ce moment-là, tout est en place. C'est super difficile quand il y a une masse de distinguer, tu vois, de faire une sélection. Quoi. On parlait aussi avec monsieur à la caméra d'une affiche. Donc c'est un mannequin, visage d'un mannequin, qui est légèrement pollué quoi, par une tache. Donc elle perd tout de son éclat, tout de sa beauté. Et à ce moment, il y a une petite mouche qui se pose. Mmh. Là, pour le coup, c'est le citoyen qui va te parler, qui manifeste non seulement avec son appareil photo ou sans, tu pourras effacer ou pas, mais quand tu as un JC Déco qui explose, ça ne m'embête pas. Cette dictature de la beauté qui est par une petite mouche, tu vois, contrariée, ça, pour moi, c'est une bonne photo. Encore faut-il la comprendre, mais à ce moment-là, pour moi, ça me parle. Ton portrait mais par mon pseudo quoi. On va pas parler de stoïcisme mais c'est très important. Tu peux en dire deux mots quand même sur le stoïcisme. Ouais, le stoïcisme c'est de la lucidité et c'est du plaisir avec un on tend un objectif mais on va pas se flinguer pour cet objectif parce qu'il y a très 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 longtemps j'ai découvert la Chine en argentique. Territoire tibétain, Shanghai, il n'y avait pas de métro. Dans mon expression, dans ma relation à l'autre, il y a la pensée chinoise. Mes leçons de vie, c'est là-bas.